Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce petit pompon. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. C'est parti! Pour commencer, nous aurons besoin d'un petit bout de carton, d'une pelote de laine de la couleur de votre choix. On vient enrouler la laine autour du carton plusieurs fois jusqu'à ce que le résultat vous convienne. Bien entendu, vous pouvez prendre la dimension que vous souhaitez pour réaliser ce pompon. Le carton était un peu trop grand, mais bon. Après, ce n'est pas gênant, vous pouvez recouper le pompon à la taille désirée. Si vous souhaitez un pompon plus petit, je vous conseille de prendre un bout de carton plus petit. Une fois que nous avons fait suffisamment de tours autour de notre carton, on vient couper l'excédent de laine. On prend ensuite nos perles et notre cordon. Ici, j'ai utilisé un vieux collier que je viens recycler pour faire ce pompon. On vient positionner notre cordon de perles sur le dessus de notre laine. Je répète la même opération pour le deuxième collier. Répétez l'opération si vous avez plusieurs cordons de perles. Pour maintenir et solidifier le tout, on vient prendre un cordon que l'on vient passer sous la laine et les cordons. On réalise plusieurs nœuds afin de bien sécuriser le tout, tout en serrant bien afin que cela ne se sauve pas. On reprend un bout de laine et l'on vient le passer sous tous les brins de laine ainsi que les cordons de perles. On réalise plusieurs nœuds afin de bien maintenir serré. On sépare les brins en deux, c'est-à-dire un brin de laine avec un brin de cordon. Et on vient réaliser plusieurs nœuds. Ensuite, on vient couper le bas de notre pompon. On enlève notre carton et on vient couper l'excédent de laine et de corde afin de bien harmoniser le tout. Ensuite, on reprend un bout de laine afin de former la tête de notre pompon. On vient le passer par en dessous notre pompon et on réalise plusieurs nœuds afin que cela tienne bien. Pour que cela tienne mieux, je n'hésite pas à réaliser plusieurs tours. On coupe les morceaux qui dépassent, on égalise de nouveau si besoin. En prenant garde de ne pas couper trop court les cordons où il y a les perles, il vaut mieux éviter de couper les nœuds. On prend ensuite nos perles en bois et notre ruban de masquage. Afin de faciliter le passage de la laine dans les perles en bois, on l'enroule autour de la laine. On répète la même opération pour l'autre brin de laine. On vient enfiler nos cordons et nos brins de laine dans les perles.
On vient séparer nos brins en deux. On obtient donc un brin de laine avec un brin de cordon. On réalise plusieurs nœuds afin de bloquer les perles. On coupe la partie où se trouve le ruban de masquage. On réalise un nœud pour accrocher notre pompon. En n'oubliant pas de couper ce qu'il y a en trop. Et voilà, notre pompon est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.